Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ghost Paranormal Investigation GPI. Voilà, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo de jour. Alors ça va être juste une vidéo un peu d'exploration. C'est un lieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, un lieu que j'avais fait il y a un petit moment de ça, de nuit, où j'ai fait ma flippette tout seul. Un lieu qui a été complètement vandalisé, détérioré par la bêtise humaine. Alors je me suis dit, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Vous allez voir un petit peu, je vais vous laisser découvrir un petit peu tout ça. Je vais me rendre au fond dans la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez au premier épisode que j'ai fait, j'avais fait une séance de spirit box à l'intérieur, première fois que je suis venu. Et là, je vais vous faire découvrir un peu l'étendue des dégâts. Alors ici, je vais vous faire voir, vous avez donc des maisons. Je vais vous faire voir tout ça après. Et là, donc, je vais me rendre là-bas au fond. Il y a une maison donc, qui a été apparemment aussi vandalisée. Donc là derrière, vous pouvez voir derrière moi. Vous pouvez voir dans l'état que c'est. Tout a été pété, tout a été... Moi ça me dégoûte. Moi je veux dire, entre vous et moi, ça me dégoûte. Alors je vous laisse profiter du paysage et on se reprend après en facecam. Allez, c'est parti. Bonsoir. On entend des coups hors caméra depuis quelques minutes. Alors nous permettons de venir chez vous afin de faire une ultime enquête. On va taper un coup s'il vous plaît pour voir si on est bienvenu ici. Oh. Non mais et Tony, ce lieu franchement. Alors j'ai pas le trépied, j'ai rien du tout, donc veuillez m'excuser par avance. Je vais me rendre ici. Là, j'ai la super stabilisation, donc alors ici c'est une première maison, il me semble que ça doit être ça. Alors voilà, alors là bien sûr on pourrait voir l'étendue des dégâts. Alors ici on n'ira pas, hein, clairement, hein. J'ai envie de vous avouer que c'est assez dangereux. Regardez l'état de l'escalier. Bon, ça c'est une vidéo urbex, alors je ne montrerai pas là-haut. Vous avez bien compris pourquoi. Hein, donc là, je ne m'y rendrai pas. Vu la tranche de l'escalier, clairement. Alors ici, vous avez bien sûr. Alors. Voilà. Alors ici, avant. D'accord. C'est juste une pièce en fait. D'accord. Ça... Alors je sais pas. Je comprends pas. À mon avis, ça a dû être bouché parce qu'il y avait des pièces au fond. Voilà. Donc. Une maison qui est en triste état. Bah, du coup, je ressors parce que j'ai cru que... Mais non, apparemment. En soi, je ne dois pas me trouver dans la bonne maison. Je vais refermer quand même. Par prudence, je remets comme c'était. On va sortir d'ici. Voilà. Vous pouvez voir, je vais vous faire voir. Donc là, si vous avez la grange. Voilà, la grange. Alors... D'accord, ouais, je vois. Donc voilà la maison en elle-même. Vous pouvez voir, très très dégradée. Alors, je pense que ça devait être à côté, mais je ne suis pas sûr. Puisque du coup, j'ai dû me tromper un petit peu dans ce que je voulais voir. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Je vais me rendre par là-bas. Je vais essayer de... Alors ici, ouais, d'accord, ok. Bon, bah là, c'est clairement, on va pas se mentir, c'est dangereux. Alors, je sais pas si je vais y rentrer. Mais là, j'entends du bruit dans les airs, mais bon, c'est peut-être normal. Bon, ici, voilà, vous pouvez voir une maison, vous pouvez voir complètement effondrée. Voilà, clairement, super dangereux, donc je n'y rentrerai pas. Simplement parce que je suis seul et que ben, simplement j'ai pas envie de me faire du mal. On est à côté là-bas, mais on n'ira pas.
excusez-moi pour le cadrage, j'ai vraiment pas le trépied, j'ai rien du tout. Et en même temps, je teste donc la carte mémoire 256 Go que j'ai mis pour faire donc les enquêtes ou de l'urbex, ce qui permet d'avoir un peu de place. Alors voilà, je crois que c'est celle-là, il me semble. Je fais attention de ne pas me casser la figure. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais c'est vraiment nécessaire. Alors voilà. Alors, je vais essayer de m'y rendre sans me faire du mal. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Vous pouvez voir. Là. Alors, je vais faire attention de ne pas me vautrer parce que je suis tout seul. S'il m'arrive le moindre pépin, je suis mort. Voilà. Alors si vous vous souvenez. Alors, oh putain. Alors ici, je n'irai pas. Alors, je regarde quand même la gueule du plancher là parce que ça me paraît un peu. Ça me paraît un peu dangereux, putain. Je vais essayer de... Voilà, ouais. Ça me paraît un peu dangereux quand même. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, ici... Alors attendez. Je vais faire gaffe où je marche, là c'est du béton. Voilà. Alors le fameux spectre qui était dans la cheminée. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc là-bas, nous avons une pièce aussi. Avec une chambre. Alors désolé si à un moment c'est sombre parce que ça va pas être évident. Je vous le cache pas. Vous pouvez voir un petit peu. Bon, c'est une pièce, je suppose une chambre. J'essaie, excusez-moi pour le cadrage, vraiment. Ici, normalement, c'est du béton. Ça risque rien. Voilà, souvenez-vous, ici, j'avais fait une séance de spirit box. À l'époque, voilà. Et là, nous avons bien sûr un autre escalier pour monter à l'étage, mais entre vous et moi, j'ai pas trop envie d'y monter, même si l'escalier est encore... voilà, on a la vue vers l'extérieur. Il y a un bois derrière, mais là, j'y monterai pas, clairement. Je vais essayer de ressortir par là où je suis venu. Parce que je vous avoue que je me sens pas forcément en sécurité dans cette baraque. Alors, je vais reprendre un facecam vite fait. Excusez-moi du cadrage, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous prendre en facecam, désolé. Voilà. Alors clairement, c'est vraiment des trucs vraiment à l'abandon et entre vous et moi, je ne suis pas en super confiance ici. Veuillez me pardonner. Oh là là, moi je sors de là parce que... Allez, je vous laisse profiter du paysage, je vous reprends dehors. Allez, c'est bon. Voilà. Nous sommes sortis de là. On pouvait voir. Voilà. La bâtisse assez dégradée. Alors, je fais juste une banane. Je vais vous emmener un petit peu dans les tables. Je vais vous faire voir de l'extérieur la maison. Je ne rentrerai pas dedans parce que c'est vraiment super dangereux. Alors, je ne suis pas là non plus pour me casser la figure. Je fais surtout gaffe là où je marche. On va passer par l'autre côté. Voilà, ce sera une petite vidéo, un peu de balade. Je sais pas combien de temps elle durera, ce qu'elle durera. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai le masque avec moi. Là, vu comme je suis tout seul, je ne mets en danger personne. Donc du coup, voilà, s'il y a besoin, je le mets. Il n'y a pas de souci, là, mon poignet. Voilà. Allez, je vous laisse finir d'explorer un petit peu tout ça. Alors voilà. Vous vous souvenez, on avait fait aussi une spirit box là-bas, dans le coin, à l'époque. Alors pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à descendre dans l'onglet vidéo sur ma chaîne. Vous allez voir l'exploration. Je vais vous emmener là, vite fait. Un petit peu ce qu'il en est. Je fais gaffe où je marche. Ah, vraiment. Moi, ça risque rien, c'est du béton. Voilà. Alors, souvenez, là... Ici, je vais marcher au milieu. Voilà. Ouais, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. J'ai du temps devant moi. Ça vous fasse patienter. Alors, j'ai pas de matériel, j'ai rien du tout. Hein. J'ai pas de. Voilà, c'est vraiment exploration. Alors, ici, là, j'ai été descendu une fois. En fait, c'est une voûte qui est en bas. C'est juste une pièce. Voilà, en voûte. Donc, rien de. De particulier ici
là. Bon, je pense qu'ils ont dû y mettre le feu ici. Voilà, tout simplement, ça devait être des étables, des écuries, des étables, je pense. Voilà, un petit peu. Alors, rien de formidable, mais bon, j'avais envie de vous faire voir tout ça. Donc, je vais vous reprendre en facecam. Voilà, c'est bon, je vous ai. Bon, tout simplement. Petite vidéo sympathique. Je regarde aussi autour de moi si la police ou quoi qui passe. La voiture ne gêne personne. Voilà. Bon, juste histoire de se balader. Alors là, ici, bah, on a la maison. La maison qui a été toute saccagée. Hein. On va pas se le cacher. Je devais en faire une enquête à l'intérieur à l'époque, mais ce qui s'est passé, c'est que le jour de l'enquête, eh bien, tout avait été rebouché, comme par hasard. Donc là, du coup, bon, je fais gaffe où je marche, là, parce qu'il y a des trous, il y a des trucs. Voilà. Bon, je peux vous faire voir l'intérieur, si vous voulez. Vite fait comme ça, vous allez voir dans les taxis, je pense que ça vaut le détour, et je vous reprends tout de suite après. Allez, go. Voilà. Alors, je vous fais voir vite fait. Là, voilà. Alors, au fond, vous aviez sûrement une cuisine qui a été, elle, rebouchée. Vous voyez là-bas tout droit, là. Là-bas. Voilà. Là, ça a été rebouché, c'est sûr. Mais ça a été vraiment... Non, non, même pas, même pas, même pas. Je vous dis des bêtises. C'est une fenêtre qui est condamnée. C'est la cuisine, voilà. Le mur a été complètement... Alors, attendez. Parce qu'en fait, je suis à la fenêtre, là. Donc, j'essaie de vous faire voir comme ça. Alors, vous avez une pièce là. Vous avez un escalier, mais vraiment avec du bordel pas possible dedans. C'est vraiment affolant. Bon, attendez, je vous reprends tout de suite. Voilà. Et là, donc, ben, vous avez donc, voilà, côté grange, vous pouvez voir, regardez le toit en haut. J'essaie de vous mettre comme il faut. Voilà, voilà, mes amis, c'est avec tristesse que... Alors, vous voyez, par exemple, il y a un trou, là. Je sais plus, je me dirigeais là. Voilà. Tout a été saccagé, tout a été démoli. Ah, excusez-moi, j'ai des gens qui disent bonjour et qui parlent je sais pas comment, quelle langue. Bref, peu importe, on va appeler la police. De toute façon, je me balade, je ne fais rien de mal. Donc voilà, c'est que du bonheur. Bon voilà, c'était une petite vidéo un petit peu pour faire voir ça. Je vous fais vite fait un plan de couple, là, vite fait, là. Voilà, c'est les maisons où on a été tout à l'heure. Là, et bien sûr, donc le bâtiment. Voilà. Voilà, voilà, là. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez votre plus beau commentaire. Abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un pouce bleu. Et moi, je vous dis à tous, à bientôt et merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao, 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 ciao.